c'est le jour J, celui qu'on attend tous, la grande finale, finale indécise sur le papier. Les deux équipes sont vraiment très proches l'une de l'autre, c'est vrai. On se demande laquelle va réussir à prendre l'ascendant sur l'autre. Manchester United contre Chelsea, c'est une affiche qui nous rappelle bien évidemment la finale de C1 à Moscou en 2008. Bien, Pierre. Oui, oui, le match n'avait pas été extraordinaire. Par contre, il y avait du monde sur la pelouse. Hein. Rio Ferdinand, Scholes, Rooney, Guise et Cristiano Ronaldo qui avaient gagné la séance de tir au but. Et puis, il y avait surtout eu ce tir pour la gagne de John Terry qui avait raté son tir au but. Cruel destin hein, pour le capitaine à l'époque des Blues. Eden Hazard, que l'on va suivre de près. C'est un joueur de classe mondiale. Une extraordinaire conduite de balle qui lui a permis d'être élu meilleur joueur de Premier League en 2015. La saison suivante a été plus dure, mais il a tellement de talent. Zlatan, un joueur suédois qui a fait le bonheur de nombreux clubs en Europe et on va suivre de près aujourd'hui. Il n'y en a qu'un, Zlatan, avec ce style incroyable, déjà de par sa taille, son poids, son physique. Alors c'est vrai, il est controversé parfois en raison de sa supposée arrogance, mais enfin bon, il marque des buts que lui seul est capable de mettre. Architecturalement, ce nouveau stade de Wembley, il a perdu ses deux tours, mais il a encore une particularité qui est assez frappante. Les deux tours ont effectivement été remplacées par une arche qui culmine quand même à 133 mètres de haut. C'est le nouveau symbole de Wembley. Ah, c'est très joli la nuit. Vous découvrez les joueurs qui vont démarrer dans cette équipe de Chelsea. Alors tactiquement, l'entraîneur a choisi un 4-3-3. L'avantage de ce système, c'est à la fois d'avoir la maîtrise au milieu et de pouvoir exploiter toute la largeur en attaque. La composition de Manchester United qui s'affiche. Le schéma tactique de l'équipe, mise en place d'un 4-5-1. Un message clair, étouffer le jeu de l'adversaire dès qu'ils essaient de passer à la ligne médiane. Et la voilà la frappe. Ah non, là pas du tout. William. Ouais, c'est bien taclé. Il faut récupérer ce ballon maintenant. Attention, il a du champ devant lui. Ah, c'est pas très bien centré. Le défenseur est le premier sur ce ballon. Il veut le faire sortir la défense, hein, c'est clair. Il choisit la frappe. Oh, ça frôle la barre transversale. William, la remise directe, c'est bien vu. Ouais, c'était pas un bon ballon et son mauvais contrôle lui fait perdre la possession. Ouais, il bascule sur l'aile histoire d'étirer un petit peu le bloc défensif qui est très compact. Ouais, peut-être un changement de possession après ce tacle. Ouais, il est bien sorti là pour intercepter ce ballon. Paul Pogba. Bonne récupération au milieu de terrain. Cesc Fabrias. Ah, elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Ils enchaînent les passes. Diego Costa, le gardien qui nous sort un arrêt de grande classe. Chelsea qui bénéficie d'un corner. John Terry. Voilà, parade magnifique du gardien. Alors on sait tous, hein, Pierre, que ce ne sera pas un match facile hein, qui attend Chelsea. Oui, je ne vais pas faire le mariole et me risquer à un pronostic hasardeux. Ça va être serré jusqu'au bout. Matic. Diego Costa. Cesc Fabrias. Ça part bien, action dangereuse. Faute de Chelsea qui n'a pas échappé à l'arbitre. Et le voilà averti maintenant. Bah, c'est mérité, hein. D'ailleurs le joueur ne bronche même pas. Antonio Valencia. Marwan Fellaini. Wayne Rooney. Paul Pogba. On s'approche de la zone de vérité. Attention à la réception de ce centre. Pogba. Non, c'est pas très bien joué. Ah, il n'a pas cadré. Non. Ouais, bien joué l'interception. On fait tourner.
en essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire pour placer une flèche. Attention à la frappe. Oh, le bel arrêt. Ouais, magnifique. Bien joué le gardien. Ouais, c'est sorti. Ce sera un corner pour Manchester United. Et le duel est gagné par le défenseur sur cette action. Le gardien qui va sortir. Ouais, c'est bien cette talonnade. Ouais, bonne interception. Il est sur la trajectoire. Non, ça ne passe pas. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Qui va donner ce centre. Ouais, la tête. Le ballon qui sort, touche. Paul Pogba. Marouane Fellaini. Allez, il va pouvoir jouer avec ses coéquipiers. Zlatan Ibrahimovic. Pas de problème pour le gardien. Manchester United qui va pouvoir tirer le corner. Chris Smalling. Mal exploité ce corner. Ils auraient pu créer plus de danger dans la surface, c'est sûr. Azpilicueta. Matic. Mkhitaryan. Cesc Fabrias. Bon tacle, mais ce n'est pas fini. Alors que le quatrième arbitre indique qu'il y aura 3 minutes de temps additionnel. Manchester United à l'attaque. Allez, il cherche Ibrahimovic avec ce centre. C'est le... Allez, un petit peu de 109 côté Chelsea. On retrouve les joueurs de Manchester United pour le coup d'envoi de cette seconde période. Wayne Rooney. Diego Costa. On écarte le jeu. Ce ballon qui est intercepté. Marouane Fellaini. Paul Pogba. Mkhitaryan. Ah ouais, ça c'est bien sur l'aile. Le centre, attention. Ah, c'est pour personne. Obi Mikel. Non. Manchester avec le ballon désormais. Entraîneur qui va faire un petit peu de coaching en faisant entrer un remplaçant. Alors t'as un favori Hervé? Je fais confiance à l'entraîneur. Zlatan. Non, ça ne passe pas. L'attaque est stoppée. Diego Costa. Un bon ballon d'attaque. Oui, la passe. Et l'attaque va s'arrêter là. Oh, il a préféré ne pas prendre le moindre risque. Eden Hazard. Alors qu'on arrive aux deux tiers de cette rencontre. Hazard. Ouais, l'arrêt du gardien qui ne relâche pas ce ballon. L'arbitre qui arrête le match. Il a vu qu'il y avait un blessé. Ce serait une balle à terre. Ouais, bah là, le joueur blessé ne peut plus continuer. Wayne Rooney. Attention, il a du. Elle, la voilà la frappe. C'est pas passé loin, mais on reste à égalité pour le moment. Un dernier
Ouais, la bonne intention. Ouais, ce ballon qui ne donne rien. Aspilicueta. Les joueurs de Chelsea qui s'approchent. Attention, faut pas les laisser jouer. Manchester avec le ballon désormais. 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Peut-être un contre à amorcer avec cette récupération au milieu de terrain. Obi Mikel. Chelsea qui se rapproche du but. Ouais, la frappe. Gardien qui sauve les siens sur cette intervention. Toujours 0-0. Et ce centre qui est contré. Oh, attention, ça pourrait lui coûter cher. Obi Mikel. Pedro. Cesc Fabrias. Ah, elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Obi Mikel. Ils prennent leur temps. Ils posent le jeu. Matic. Oui. Et le but qui leur permet de prendre l'avantage. On voit ce très beau but de la tête. Ouais, il a le temps de s'élever, de prendre en même temps la formation et après sa technique fait le reste. Ouais, il aura fallu attendre la deuxième période pour voir le premier but de cette rencontre. Ashley Young. Ils vont le faire sortir la défense, hein, c'est clair. Le centre était bien adressé, mais le défenseur a très bien lu la trajectoire du ballon. Cesc Fabrias. C'est fluide, ça circule bien. On voit des joueurs qui prennent du plaisir à jouer. Du coup, les supporters sont ravis, évidemment. Oh là là, l'occasion. Ah oui, le but. Un autre but, quasiment coup sur coup. Deuxième but, quasiment coup sur coup, des choses qui n'ont pas traîné. Je vois déjà l'entraîneur qui donne de nouvelles consignes à sa défense. 2-0, ils ont à présent une avance confortable. Antonio Valencia. Paul Pogba. Il s'avance vers la surface. Zlatan. La frappe. Ouais, le gardien qui gagne son duel face à l'attaquant. Un centre qui est contré. 2 minutes, ce sera le temps additionnel. On s'approche de la zone de vérité. Non. Ashley Young. Mkhitaryan. La fin du match ici à l'instant et le score final 2-0.
Early, and the ex will never call. Never call.